Hey, 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 salut mes petits culs et bienvenue pour un nouvel épisode du Decades Challenge. Ok, non, Dodo, qu'est-ce qu'ils font tous debout? Oh, lui, il va manger un truc, d'accord. Non, hein? Non, non, vous allez au lit. D'accord, ta femme a changé de lit. Ok, on va, toi, tu retournes au lit. Ok, bon, après, c'est normal qu'il y ait un petit bug de ce genre parce que j'ai fait un micmac et j'ai récupéré les tombes, les fameuses tombes de Arthur. On va mettre là, par exemple, Julien qu'on va donner à Louise et Bernard, le bien-aimé. Voilà. Oh! Ah bah oui, tiens, il y avait ton bouquet là que t'as jamais. Pourrait le mettre où? J'en sais rien. Dans la chambre? Comme ça? Qu'est-ce que tu vas faire, toi? Non, 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 petit Lulu. Lulu, dodo. Tu réveilles pas, mamie? J'ai dit! Bref, alors. Voilà, petit bouquet. Oh là 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 là, Jojo, t'as du mal, hein? Non, mais c'est bon, allez, retourne au lit. C'est pas grave. Donc, voilà, j'ai récupéré les tombes. Où les mettre en vraiment, je ne sais pas, on va peut-être les mettre là. Hein. Ici. C'est pas très glam. Ah, mais bon. C'est. Voilà. Nous avons les tombes de nos défunts. Que je vais incessamment sous peu, c'est-à-dire immédiatement, fleurir. Bon, voilà ce que ça donne. Effectivement, bon, hein, c'est l'hiver, donc les fleurs ne sont pas fleuries, mais j'ai mis une petite couronne comme ça. Ça fait le taf, hein, elles resteront toujours au moins fleuries, celles-là. Et on se remémorera à leurs bons souvenirs, à nos disparus. Voilà, comme ça, c'est plutôt pas mal. Bon. Notre chère Marguerite vient de nous saloper les toilettes parce qu'elle était malade. Et après avoir vomi, elle va carrément s'asseoir dessus. Oui! Miam! Ça donne envie, hein. En tout cas, ça la dérange pas, les mouches, là. Elle s'assoit sur les mouches, c'est génial. Et elle a un sacré bidou. Il faut vraiment qu'elle emménage sous peu parce que sinon, on va louper la naissance. Je crois qu'il est plus tout frais, en fait. Ah ouais, c'est fané. Ah, c'est dommage. Bon, bah, tu pourras t'en débarrasser. Vendre plus neuf? Oh, bah, vas-y, si on peut récupérer de la thune avec un vase pourri, tant qu'à faire, on y va. Alors, les demoiselles sont debout. Enfin, les demoiselles, la demoiselle. Elle s'en va. À bientôt, ma petite Marguerite. Et tu vas aller en cours après, Germaine. Tu es la seule qui va à l'école. Toi, t'as faim, petit bout? Tu es toujours en train de manger. Tiens, tu vas manger la... ça, là. Macaroni au fromage. Lucien a très faim, oui. Alors, Gus. Ok, fais ton petit déj. Va en cours, toi. Allez. Ça pue, t'as froid, mais je suis désolée pour toi. Maman, tu veux vider la poubelle, s'il te plaît? Ah bah ça et ça. Bah, Lulu, tu vas pas manger ça, mais tu vas manger ça. Allez, hop. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah voilà, c'est Albert qui en a marre et qui va faire lui-même la vaisselle. Bon, logiquement, non, hein, vas-y, non, tu vas pas le faire. Tu vas faire à manger. Lui, il va manger. Toi, je t'ai dit. T'es sérieuse? Je t'ai dit de vider la poubelle. Tu le fais, Jo. Pas chez ton monde, non. Toi, mange. Qu'est-ce qu'ils ont, mes Sims, aujourd'hui? Ils sont pétés. Voilà. Ils vont tous se battre pour la même assiette. Quoi, tu peux pas vider la poubelle? C'est les casseroles qui t'en empêchent. Alors attends. Hey, vas-y. J'ai bougé les casseroles. Ouais, c'était les casseroles. Je vous jure. On va les mettre là. Elles vont pas gêner comme ça. Bon, Lulu. Lulu, va au pipi. Allez, dépêche-toi.
Hop, allez sur le pot. C'est un peu loin, mais au moins ce sera fait. Oh. Ah non, 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 Albert, t'es pas méchant, hein. Si, il lui a dit une saleté. Oh là 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 là. Évoquer un moment embarrassant de ton enfance, vas-y, oui. Un glouton et un méchant, ça se voit pas du tout, se plaindre du plat. Non, non, se plaindre, non, tu vas pas te plaindre, tu arrêtes de te plaindre. Non, pas se moquer. Oh! À chaque fois, ça change en fait. Conversation intime profonde, c'est parfait. Complimenter. Se plaindre à la limite. La température glaciale, je suis d'accord. Zut, on a loupé Gustave qui nous faisait un petit ange de neige dans la neige. Bah écoute, tu peux faire une bataille de boules de neige. Alors oui, tu peux. Ah bah dommage, tu peux pas faire avec le petit. Et si tu faisais un bonhomme de neige avec. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait? J'avais un enfant enterré dans la neige. Mais non, c'est pas possible. Faire un homme de neige avec Lulu. Allez. Allez, Lulu, viens. Lulu, il a encore faim. Il bouffe tantôt. Faites un bonhomme de neige. Ça vous occupera. Toi, mon petit Albert, tu vas te faire un peu... jouer un concerto. Ce sera pas mal. En attendant que tout le monde s'occupe. Back à ses occupations. Oh! C'est trop mignon. C'est trop mignon. Les garçons, vous êtes mignons. Ah! Oh! Ah, Pierre Nard qui envoie un texto. Tout va bien. Un vrai artiste! Je suis en train de me demander, on peut. Il peut faire ce métier, Pierre Nard. Oh là là, Albert. Il n'y a pas le truc des métiers, donc je vais remonter avant. 1900. Parc débloqué, tac 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 tac. À la base. Les métiers. Attends, mon petit. Oh là là. Je suis perdue. Ok, alors non, effectivement, il pourra devenir artiste que en pré. Bah. Pas aujourd'hui. Puisque faut que Lulu grandisse avant. Et Lulu, il va grandir aujourd'hui. Donc c'est parfait. Ça veut dire que, bah oui, il va pouvoir se lancer dans la carrière d'artiste, le petit Albert. C'est parfait. Tu vas donc te lancer dans une carrière et on va te lancer dans la carrière artiste. C'est parti pour la carrière artiste. 36 Simflouz de l'heure, 17h-23h. Go! Et ma petite Louise, toi tu vas appeler ton Roméo. Julien, qui est décédé, hein? Conjoint décédé. Peu de choses sont plus tristes que deux conjoints séparés par la mort. Tu vas appeler Jaco, et puis Jaco il va arriver, et puis tu vas lui présenter ta famille, tout ça. On va préparer aussi l'anniversaire de Lulu. Cuisiner un gâteau. Gâteau blanc, allez. Donc là on va passer à une nouvelle décennie. Ah bah! Ok, il entre comme ça, wesh. Ok, tu vas l'enlacer? Oh là c'est. Oh, il prévoit déjà de faire des bébés et tout ça. Oui, il y a encore une place disponible. Hein. Ok, bah tu vas pas l'enlacer tout de suite, mais tu vas discuter avec lui. Non, reviens! Oh, Jaco! Élimine la journée. Ouais, il y a trop de choses. Il y a trop de choses en même temps. Par contre, elle s'en remet toujours pas. Hein. Bah, perd un ami, puis là, un ami a trépassé. Ok. Donc on a encore un. Et puis bon, on a les tombes maintenant, donc ça aide pas. Oh, regardez-moi ça! Les hommes avec les enfants, c'est trop mignon. Là, tu vas dire bonjour, parler à l'inconnu, et là aussi, parler à l'inconnu, ça va être votre papa de substitution.
Votre nouveau papa. T'as froid, Choupette, hein? Il faut que tu te changes, hein? Changer de tenue. Allez. Tenue de grand froid. Hop là, elle est très colorée, sa tenue de grand froid. Mais au moins. Plus de choix. Méchant, non. Ouais, inconnu. Ah, voilà. Tu aurais pu t'habiller aussi quand même, Louise, parce que là, hein? On va changer de tenue. On va se mettre une petite tenue là, comme ça. Avant que le gâteau se fasse bouffer. Non, trop tard. Il y a déjà quelqu'un qui veut le bouffer. Je t'interdis, Gus. Mets les bougies plutôt. Tiens, toi, tu t'ennuies. Tu vas jeter. Ah, puis ouais, tu t'ennuies, la vache. Tu vas aussi nettoyer ça. Lui. Tu pourras aller. Va courir un peu, mon petit. Albert, tu es un peu fat. Un petit peu. T'es où, toi? T'es avec ton amoureux. Elle se marre bien avec son nouveau copain, quand même, hein? Non, tu vas pas être mauvaise avec lui. Tu vas complimenter la tenue, tout ça. Éliminer la journée. Amour, draguer. Et... Ah, mais qu'est-ce que t'as fait, Gus? Moi, il m'a cassé le truc. Bah, répare-le, s'il te plaît. Tu seras un amour. Ok, donc elle continue à discuter un peu avec son amoureux. Mais non! La gueule du... La gueule du bonhomme de neige, elle pas fait gaffe. Mais oh my god! C'est quoi ce bonhomme de neige? Ah! C'est le bonhomme de neige grand-mère! C'est excellent. Allez, tu le rattrapes là, parce qu'il faut que vous fassiez des... Des choses. Oula, je sais pas. Non, tu apprends rien du tout, toi. Tu vas te laver. Conversation profonde. Ok, tu vas discuter, tu vas faire un peu des mamours parce que faut que vous vous, vous fiancez. La loi et son attirance. Complimenter l'apparence. Et un petit dernier. Plus de choix. Embrasser. Voilà. Alors, lui, il répare tout ça. Et après, on va faire les présentations avec le reste de la famille. Il est morose. Allez donc. C'est un trait de la guerre, ça. Allez, on devient meilleurs amis. Faire crac-crac. J'aurais bien dit oui, mais en fait, je vais encore attendre qu'ils soient mariés pour ça. Voilà, petit ami, quand même. Il faut. Faut faire avancer les choses. Que ce soit son petit ami. N'hésite pas, hein, Louise. Hein. Vas-y, hein, rentre-lui dedans. Caresser la joue. Oui, ça y est! Bah voilà. C'est vrai que Louise, elle reprend enfin goût à la vie grâce à lui. Ce fut une rencontre au parc. Demander en mariage. Demander en mariage! Ah bah, allons-y, quoi. Hein? On y va carrément, hein. Le bisou, tout ça. Ça me rappelle, ça vous rappelle des choses, hein, ce qu'elle avait demandé aussi Julien en mariage. C'est normal, il ne fait pas partie du foyer, donc. Et voilà. Ils sont fiancés. C'est cool. Prendre une pause sexy. Allez, vous allez venir discuter ici, s'asseoir et discuter ici. On va faire connaissance avec tout le monde. Toute la famille va dire bonjour à Jacques. Joséphine, tu nous fais quoi là? Joséphine, ah, d'accord. Joséphine, présente-toi à ton futur gendre. Je sais pas ce qu'il est parti faire là. Il visite la maison, il se croit chez lui déjà. Mireille a très faim. Mireille, tu casses les fesses. Bon, c'est bon, elle ira manger. Donc voilà, tu te fais la connaissance de ton futur gendre. Parler de cuisine. Complimenter. Se vanter de sa famille. Et c'est plutôt bien.
Lulu, tu te lèves aussi, stop. Tu vas. Non, on va te faire grandir, on va faire le petit événement social là. On va rappeler tout le monde. Hop. Parce qu'ils sont en train de courir, les garçons. Perdre du poids un peu. Posez, qu'est-ce que tu fais? Laisse la petite. Elle va aller manger un gâteau là. Manger gâteau. Voilà. Toi, à la limite, tu peux essuyer si tu veux. Ah non, mais Joséphine, t'exagères, bon sang, bonsoir. Ah, puis j'ai ma souris qui commence à partir en vrillasse. Petite, vas-y. Voilà. Albert, tu vas faire connaissance avec un monsieur. Attends, tu vas faire une présentation polie même. Toi aussi, présentation polie. Et elle, elle dort, mais hey, elle se prend pour qui elle aussi? Présentation amicale. Oh, mais oui, non, ça va aller, t'inquiète, Gus. Oh là là, Albert. Albert, va te laver. Tout de suite. Voilà, et ils savent déjà tout ce qu'il faut savoir de lui, adulte inconnu, machin. Bref. Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Lucien. Lucien, viens là, mon petit. Toi, pareil, tu pourrais t'habiller, en fait. Mais bon, après, ça va nous faire encore plus de tenue. Ah, laver, mais bon, pas grave. Tu vas aller aux toilettes. Faire connaissance. Donner des conseils d'éducation. Tu vas venir là, cocotte, et tu vas aider à chauffer les bougies. Lulu! Et on va être bien, et on va passer en 1920, parce que je vous rappelle que c'est le premier petit enfant quand il devient enfant. Nous passons la dé nouvelle décennie, et donc c'est Lucien qui prendra le relais. Et après, comme on continuera pas avec Louise, ce sera Simone, donc l'aînée de Albert, qui prendra le relais pour la prochaine décennie. D'ailleurs, tu vas les appeler là. Tu vas appeler ta femme? Viens. Allez, Lulu! C'est l'heure de ton anniversaire. Dans quel sens? Oh, petit Lulu! Et voilà, Lucien grandit. Il n'est pas du tout dans l'époque. Ouais. Alors, il a plein de... Bon, on s'en fiche, hein, train de recevoir caractère bonus grâce à ses compétences de bambin. Ah! Alors, entre social et créativité, on va dire qu'il va être social. Premier trait, mince, Julien, je me souviens plus ce qu'il était. On va peut-être dire qu'il est morose aussi, puisqu'il a perdu son papa à la guerre. Et voilà! Arthur a envoyé un cadeau à Lucien, super. Hélène, Juliette, Pierre-Nard, Simone, tout va. Ouais, ok. Très bien. Et Marguerite? Oh, Marguerite, ça va pas. Snobé. Mais non. Mais non, mais non, vous inquiétez pas. Elle va nous accoucher bientôt, je le sens. Elle va nous accoucher là, mais ouais, il faudrait vraiment qu'elle emménage très rapidement. Voilà. En tout cas, le petit Lucien a grandi. Ouais, on va aller regarder ça de plus près. De toute façon, forcément, je vais le relooker avant de le lâcher dans la nature. Oh, les yeux magnifiques qu'il a. Ouais, et les yeux de son papa. Pourtant, pour l'instant, c'est un beau petit gars. Je suis assez contente. Ah, ça fait du bien, quoi. Donc voilà à quoi le ressemble Lucien. J'ai l'impression qu'il a le nez de sa maman. Bah, je le relook tout de suite et je vous retrouve après. Et voilà, le relooking de Lucien est terminé avec cette jolie petite coupe de cheveux. Je trouve que pour l'instant, il ressemble beaucoup à son papa. Alors, première tenue de jour, deuxième tenue de jour, tenue d'habillé, tenue de sport, tenue de dodo, tenue de fête, tenue de maillot de bain, tenue de temps chaud, tenue de temps froid en premier, tenue de temps froid en deuxième. Et voilà, c'est bon pour le relooking. Bon, nos amoureux vont remettre ça. Comme d'hab, hein, vous savez, j'aime bien. Il profite, hein, pendant qu'elle est enceinte, de pouvoir faire crac-crac plutôt pas mal de fois. Et après, on va aller... Tout le monde au lit.
Après, la petite, elle apprend le pot. Lui, il fait ses devoirs. Toi, tu pourrais peut-être l'aider à faire ses devoirs. Au moins, ce serait pas mal. Tu peux pas lui apprendre mes devoirs. Pourquoi? Pur cuet. On sait pas. Parce que ce n'est pas ton enfant. Ça ne sert à rien. Apprendre la responsabilité. Oui, bon, écoute, il va l'apprendre tout seul, hein. C'est pas grave. On ne peut pas faire l'aider à faire ses devoirs. Ah bah, par contre, moi, j'arrive pas à faire que Gustave l'aide à faire ses devoirs, mais j'ai l'impression que Jacques l'aide à faire ses devoirs à Lucien. Normal, tout va bien. C'est la normalité absolue. En tout cas, si c'est le cas, c'est un bon beau-père, quoi. Moi, je pense qu'il sera très sympa avec les enfants et avec Louise. Alors, nos invités du jour, il y en a qui mangent. Fichtre! Pierre Nard est dans le lit! Mais non! Le fantôme de Pierre Nard! L'angoisse! Bon, ben voilà, hein, il fera le ménage. Par contre, je vais pas laisser souvent les fantômes nous venir nous emmerder, hein. Donc, tout le monde est parti au lit. Eh ben, c'est parfait. On n'a que nos invités. Et Pierre Nard qui est en train de squatter. Et je vais finir là-dessus. En espérant que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit message, un petit like et compagnie. Et aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous embrasse très fort et je vous dis donc à très bientôt pour la suite du Tickets Challenge ou d'autres choses. Allez, salut!